Alors, mon nom, c'est Suzanne Hardy. Je m'adonne à la botanique maintenant depuis quelques dizaines d'années. Mais l'idée, c'est d'essayer de marier le plus possible le vécu de nos arbres d'intérêt avec l'existence des gens qu'ils ont conservés, qu'ils ont vus grandir. C'est ça qui est important. C'est comme ça que les gens vont développer l'amour des arbres. Ici, on est sur le domaine de Sir Henri Gustave Joly de Lotbinière. C'est un personnage hautement historique parce que, d'abord, il a fait beaucoup pour diffuser l'information sur la sylviculture. Sur le domaine ici, bien, il a fait des plantations de différentes essences et particulièrement des plantations de noyer noir. Le noyer noir, c'est un arbre d'abord et avant tout américain. Il y en a dans une petite partie du sud du Canada. On en a trouvé aussi à l'état indigène dans les provinces maritimes, mais vraiment des toutes petites stations. Ma démarche, elle se distingue de celle des Américains qui, eux autres, voient toujours un arbre remarquable comme le plus volumineux. Moi, j'ai développé une série de toutes sortes de critères qui entourent justement l'aspect historique, pourquoi ils sont nés, pourquoi ils ont été conservés, etc. Les arbres, c'est pas des meubles. À un moment donné, les planchers, les plafonds, les poutres, on a longtemps vu l'arbre comme ça. Moi, je le vois comme du matériel vivant. Noyer noir, c'est un arbre qui a une allure exotique. C'est un arbre d'abord qui devient volumineux et qui est plus coloré à l'automne que notre noyer cendré qui pousse naturellement ici. C'est un arbre qui a beaucoup de hauteur. L'écorce ressemble un peu à celle d'un frêne avec une allure texturée, un feuillage léger. Les folioles tombent une par une. Ça vous fait un paquet de larmes jaunes au pied de votre sujet remarquable qui a une grande histoire à raconter.